Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vais cuisiner pour vous une brioche légère à la fleur d'oranger. Pourquoi légère? Parce que je vais utiliser tout simplement un fromage blanc à 0% pour vous déculpabiliser de la manger à chaque petit déjeuner. Allez, suivez-moi, on part pour la recette. Dans la cuve de mon robot, je mélange tous les ingrédients que je pétris pendant 10 minutes. Puis je couvre et je laisse lever pendant 1 heure dans un four préchauffé à 40 degrés puis éteint. Ou alors 2 à 3 heures à température ambiante. Alors au bout de l'heure de pousse, ma pâte a doublé de volume. Je la sors de la cuve. Je la dégaze, donc je chasse le gaz qu'il y a à l'intérieur en pétrissant quelques secondes. Je divise la pâte en 3. Je façonne des boules que je viens placer dans un moule à cake que j'ai recouvert de papier cuisson. Je couvre de nouveau avec un torchon et je laisse pousser pendant 2 heures dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Un four préchauffé à 40 degrés puis éteint ou alors 2 à 3 heures à température ambiante. Je badigeonne ma brioche de lait. Je parsème de sucre en grains. Et j'enfourne pour 30 minutes à 170 degrés. Voilà, une brioche sans beurre, bien légère, que vous n'aurez aucun complexe à savourer. Je vous souhaite un bon appétit et de bons petits déjeuners sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.